preuve que tout est ensemble. Je fais mes packs un après les autres. Alors soit je vous ferai une géante vidéo à l'aude de Arma, parce que là ils ont assuré grave. Ou je vous ferai chaque petit pack au détail. Alors, pas moyen de monter au milieu. Faudra revenir avec les rampes pour se faire un petit passage d'un bout à l'autre. Ah, faut un peu d'entraînement. Le plan, c'était de monter en travers pour réussir à franchir le tout, mais ça n'ira pas. Ils avaient tiré les lignes. Ben, ils auraient échappé chez Arma. C'est dommage qu'on n'a pas de jonction entre les morceaux. Hein. Oh, joli. Perdu. Et c'est encore. Là, je voulais reprendre les gaz pour partir là. On a bloqué la roue avant et voyons voir ce que ça lui a coûté. Ça, c'était méchant. Alors, amortisseur toujours à sa place.
Regardez, c'est le bras là qui s'est fendu. La cale de travers est toujours à sa place. Mais sinon, ça va. Franchement, incroyable, mais vrai, il a encaissé le coup. Pinaise! Ouais, comme les freins sont trop justes, hein, je me suis fait piéger. Ah, il a peut-être la boule d'égout aussi. Bon, on va se trouver un terrain moins dangereux. En plus, on est dimanche, on va commencer à embêter les gens là, avec leur affût. Et on va se mettre à l'écart. Tiens, c'est marrant, après l'impact, je peux mettre mon trim tout droit. Avant, comme d'habitude, c'est Spectrum Horizon Hobby. Tu as le trim à droite à fond pour aller tout droit et là c'est bon. Une fois de plus, les super freins à la noix ont failli me tuer. Oh la vache! Bon, on va y aller doucement pour vous montrer quand même la profondeur. Tu vois que, en fait, quand je suis au-dessus, ce machin est bien en train de faire de l'aquaplaning. C'est bien, on pourra tout de suite passer les vidéos accessibilité mécanique et à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de pneus pelle. Et c'est notre petit Thibaut là-bas. Il a se mettre à l'abri direct. Tu vois, il n'y a pas besoin de pneus pelle pour hydroplaner. Regardez comme ça le retient quand je suis normal. Là, on est bien. Là, il est rincé. On a sorti le 2,5 kg de boue qu'il y avait dedans. Les pneus sont mouillés. Peut-être même plein de flotte. Il y a un truc qui a lâché. J'avais plus de frein. Perte radio. Le machin, il a tracé droit. J'étais en roue libre. Plus moyen ni d'accélérer ni de freiner. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait freiné, j'aurais vraiment tout défoncé là-dedans. Par contre, j'avais pu accélérer, j'aurais pu franchir mieux, mais j'aurais très certainement achevé la machine au-dessus. Et tout va bien. C'est
c'est géant, ce skid, et surtout le fait que j'ai pas freiné. Ah, la voiture est réparée, regarde, je suis obligé de retrimer à droite. Ah, il commence à lever le bestiau, regardez-moi ça. Allez, prendre la deuxième batterie, on va se mettre sur le stade avec les ptios. Ah, faut que je fasse un roulé-boulé, j'ai de l'eau sur le toit. De l'eau, de la boue. Alors, sixième lipo. Hop. Bonsoir. Le ballon, le ballon, 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 ballon. Salut, ça va? Oui, ça va. Salut. Bonjour. T'amusais bien? T'as un deuxième grand fan là-bas. Ouais. Ah, il est aussi abonné? Je pense. T'as vu dans l'eau comme je suis resté à la surface? Ouais. Dès que tu ralentis, tu coules, mais tant que t'es plein gaz, c'est bon, t'es au-dessus. Tu veux jouer avec nous au basket? Non, c'est bon. Je vais surtout éviter la petite, là. Allez, c'est 53. Ah non, 53. C'est qui ta rap comme match, ça? Donc aujourd'hui, test d'un ballon. Là, il est à l'aise. Là, on s'éclate. Dans le piège, changement de position, tu coupes les gaz, la suspension relâche. Et remonte, et t'es mort. Coupure.
Ah ouais, ça fait un moment qu'on fait le kéké dans l'eau. On va plus changer la pupille. On va profiter avec vous pour voir à quoi ça ressemble là-dedans. Et voir de plus près aussi peut-être l'état du triangle. On a vraiment juste déformé cette partie-là, on n'a rien dégommé. Donc je vous confirme que ces triangles sont bien, bien, bien plus costauds qu'avant. Tu vois, la suspecte par contre, après avoir utilisé, tu vois, là, elle a du mal. Hein. On ne monte plus comme il faut. Je change la pile et on y retourne. Et on est reparti. Si je l'allume. Celui-là on le mettra au méga ralenti avec le gros. Bon, je vais essayer de pas cramer de la lipo sur le champ. Histoire d'en avoir assez pour la rincer encore un coup. Parce qu'avant je voulais finir, c'est pour ça que je l'ai rincé. Les risques que je prends pour vous les mecs. Ouh. Faut écouter une couille ça. C'est dommage, je ne connais pas le nom des Zenlikers parce qu'on pourrait appeler les pilotes d'après eux. Et pour ne pas toujours dénigrer la RC, hein, puisqu'on va quand même reprocher de dénigrer les marques, n'empêche que quelqu'un qui dénigre les marques et qui fait de la RC, qui a une chaîne RC, il est un peu con, non? Sérieusement. C'est absolument pas logique, je ne dénigre pas les marques et on appellera donc cette vidéo Aude Arma. Hein? Parce que je suis officiellement dénigrateur public. Alors, pas confondre qui critique, 1, 2, 3, essai, critique et dénigration. Dénigrer, ça voudrait dire ouais, voiture RC c'est de la merde, faites pas les RC, faites de la pêche, tape pollueur. Ouais. Ça, c'est de la dénigration, n'est-ce pas, monsieur machin? Alors que nous, on s'amuse. Ouhouhou, les freins, les freins, les freins.
Bon allez, on va la rincer. Et après on manie la fin. Oh, je suis resté sur la piste, c'était hasard. Ah, je vais la rincer. Bonsoir. Bonsoir. Allez, 6 packs d'affilée les mecs, hein. C'est quoi la dernière fois qu'on a passé 6 packs d'affilée sur une caisse à part le X-Max et le DB8? Ah, le piège, c'est de pas freiner, les mecs. Avant... J'ai freiné et ça m'a fait... Je suis resté en équilibre sur le châssis, en fait. Faut juste lâcher les gaz dans le haut. Toujours de l'eau sur le toit. Hein. De l'eau, de la boue. Ça veut dire que je dois essayer de faire un roulé-boulet au milieu de la flaque. D'amener de coupure. On pas réussi à rincer le toit.
On va tricher alors. Voilà, je vous laisse là les mecs. Comme dit, je ne sais pas si je ferai une seule vidéo en un bout. Plus d'une heure de cette superbe machine. Parce que je vais vous faire plein de petits bouts, plein de petits poussés. Salut les mecs.